Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour un arpenteur holistique, où en fait ça va plus être un instant pour les réflexions. La plupart du temps ça me permet de donner un avis sur des rubriques, des articles, en fait sur des rubriques, des articles, des événements en rapport avec le jeu de rôle récent ou antérieur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé deux documents pour traiter ça. On va les traiter dans des vidéos séparées. Le premier, c'est la fiche d'assentiment, c'est ça, pour le jeu de rôle. Et le second, c'est la grille de meneur de jeu professionnel. Donc, on va commencer avec, évidemment, le questionnaire d'assentiment pour le jeu de rôle, comme vous l'avez vu dans le nom. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais l'afficher. Je vais l'afficher en quelque part. Vous le verrez. Donc, voilà. Donc c'est une donc là apparemment c'était une fiche d'assentiment centrée sur l'édition du Monde des Ténèbres, mais en fait j'avais vu une fiche un peu globale qui est généralisée. Donc celle qui était généralisée, elle avait moins de critères, mais comme c'est le Monde des Ténèbres peut traiter énormément de choses, donc c'est bien qu'il l'ait traité de cette façon-là, et du coup on va explorer ça un petit peu. Donc alors il y a trois critères: un qui est un cercle vert qui veut dire que c'est ok, le jaune c'est que ça peut être évoqué mais que voilà, il faut l'effleurer, il faut que ce soit implicite, il faut que ce soit évoqué, mais ou au pire que c'est quelque chose qui peut être sujet à problème. Donc il ne faut pas, comment ça, il ne faut pas, il faut prévenir la personne au préalable. Voilà, désolé, je galère un peu. Ensuite, je ne désire pas que ce thème soit abordé. Bien. Donc, il y a la chronique, il y a le compteur, il y a le joueur, voilà. Chacun remplit ses trucs, y compris le meneur de jeu, évidemment, qui est le compteur dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est vampire, loup-garou, Vampire la Mascarade, je parle, voilà. Moi, je connais pas des masses Vampire la Mascarade. J'ai en PDF, j'ai le livre avec la rose rouge et le fond vert. Le livre des origines, quoi. Voilà. Il y a des versions beaucoup plus récentes et qui sont assez intéressantes pour avoir vu quelques parties, hein. Voilà. C'est toujours Nye 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 by Night. Donc voilà, désolé, j'ai pas les noms et j'ai pas eu le temps de me renseigner, de me renseigner à nouveau avant de traiter le sujet. Donc il y a les peurs, je vais pas faire le tour de tout, mais il y a les peurs et les phobies fréquentes, les références au monde réel, les châtiments, la romance, le sexe. Bon, à partir de la première ligne. Je pense que ça aurait été joué, peut-être été capable de traiter ça en premier. Ensuite, il y a les tabous. Et ensuite, mort de personnage. Attends, il faut livrer un texte pour la mort du personnage. Ok. Bien. Bon, vous l'avez sous les yeux. Moi, je l'ai. Et en fait, ma question qui me vient en tête quand j'ai vu ce truc-là, c'est que en fait le contrat social est quelque chose qui est toujours présenté, qui est amené avec certaines choses, et que le caractère implicite aussi, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, mais qu'il y a eu des sous-choses ou des choses qui sont assez catégories, qui pourraient être abordées. Et en fait, je vais faire une réflexion. Alors, écoutez-moi bien. Je vais faire une réflexion, mais c'est une véritable question. Et je vais donner une phrase qu'a posée certaines personnes concernant en fait ce qui se passe dans les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, il y a ce qu'on appelle le fameux formulaire de consentement. Et puis en fait, le formulaire de consentement a été standardisé dans certains pays, ceux qui y connaissent. Et en fait, il y a des gens qui te disent, est-ce que ce n'est pas la fin de la spontanéité, de l'amour, de ce genre de choses-là? Avec la diversité d'opinions et avec le regard très sensible des gens de maintenant, ce n'est pas une critique, mais
j'insiste sur le très sensible parce qu'ils sont très sensibles, ben finalement, je peux me retrouver à faire exactement poser là exactement la même question. À faire exactement poser là exactement la même question. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la confiance et la réflexion et la sensibilité implicite dont doivent faire preuve les joueurs autour de la table? Et je dis les joueurs autour de la table. Tous les joueurs, y compris le meneur de jeu, évidemment. Est-ce qu'on n'est pas en train de se prendre la fin du caractère implicite de la sensibilité justement que devraient faire preuve les gens? Est-ce que graver ces choses sur du papier n'est pas déjà un aveu de faiblesse ou de manque? En fait, c'est de la quête de la compréhension volontaire avec ses succès et ses ratés. Je dis souvent, on doit trébucher, on doit faire des erreurs. Il y en a qui sont plus évidentes que d'autres, mais on n'a pas tous la même mentalité. Sauf que si je continue à parler comme ça, on finit dans un discours consensuel. Et souvent, quand on parle d'un discours consensuel, ça minimise. Et c'est ça le point où je voulais arriver avec ce sujet-là, avec ce truc-là, c'est que je suis d'accord pour la X-Card. Je pense que la X-Card, c'est un bel outil. Quand Ratburger m'en avait parlé, et d'autres gens par la suite, la X-Card, c'est pas mal. C'est un bon outil, je trouve. Surtout en convention. C'est un outil qui vient déjà de base en convention. Mais ensuite, tu as ces formulaires. Est-ce qu'ils sont censés être utilisés en convention? Je pense que s'ils l'ont fait, c'est sûrement parce que ça doit être abordé en convention. Mais il peut aussi s'utiliser probablement dans le milieu des associations. Je pense que dans les associations, ça se ferait très bien, ça éviterait pas mal de problèmes. Il y a toujours des saumons qui vont à contre-courant, hein, ça se peut pas l'empêcher. Mais j'ai l'impression, et c'est une opinion, et une opinion qui va évoluer, qui va réfléchir, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Mais je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer le sensible? Pas le sensible du genre, ah, je peux être blessé, je peux être offensé. Je te parle du sensible, c'est-à-dire regarder la personne en face et lire dans ses yeux les émotions, lire les choses, se mettre à l'aise, discuter, que on puisse di di discuter avec une langue déliée de certains sujets déjà au préalable, pour que en fait on puisse se comprendre. Ça me fait beaucoup penser à un exemple où en fait il y a un mec qui dit, écoute, c'est un meneur de jeu qui disait. Bon, vous les gens qui me parlez que oui, il faut pas s'imposer de limites. Donc c'est un contre-argument justement de ceux qui. Il y a des gens qui te disent les gens sont trop sensibles de nos jours, et il y a des gens qui ne le sont pas assez. Faut pas négliger ni une part ni l'autre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait quelqu'un, il y avait des gens qui en fait dans une vidéo, un forum ou un truc comme ça, je ne me souviens plus, ça remonte à loin. Et puis en fait, le gars dit, ouais, mais attends, mais on va pas regarder tout le temps la sensibilité des gens. Les gens, ils cassent les couilles. Et en fait, il y a un meneur de jeu, impeccable sa réponse. Il avait donné cet exemple. Il a dit qu'il y a eu, il jouait à quelque chose dans le milieu de l'horreur, c'était de l'horreur policière. Et en fait, un de ses amis avait un enfant qui venait de naître, un fils. En toute logique, le joueur en question, il savait quel genre d'univers dur il allait jouer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il allait demander au meneur de jeu, écoute, je ne veux pas entendre parler de massacre d'enfants dans la campagne, ça pose problème. Et les gens, en fait, quand ils se parlent, quand ils sont mis ensemble, quand ils ont une certaine intimité, quand ils s'entendent, quand ils apprennent à écouter l'autre, ben en fait, à partir de ce qui est dit, la force de suggestion, ce qu'on pourrait aussi dire comme la sagesse, le bon sens, c'est déjà un peu trop parce que le bon sens, ça varie selon les personnes. Voilà, il y a des gens, quand tu leur parles de bon sens, ils te disent, ouais, mais ben le bon sens, les gens sont toujours persuadés qu'ils l'ont et puis qu'ils croient qu'ils sont supérieurs aux autres choses-là. C'est pour ça que je préfère ne pas utiliser le mot du bon sens, même si je comprends le sens du mot bon sens. Et ce qui va après. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la spontanéité physique des gens
à pouvoir se rapprocher et parler sans filtre. C'est cette question-là que j'ai envie de poser par rapport à ce sujet-là. Parce qu'un gars qui vient de dire oui, mais bon, je veux pas entendre parler de massacre d'enfants, le gars il a un enfant en bas âge. Qui ne peut pas comprendre cet exemple? Je pense qu'on peut faire semblant de ne pas comprendre, mais on ne peut pas ne pas comprendre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et après, des gens pourraient me dire, ouais, mais ce que tu es en train de dire là, c'est du bon sens. Vous voyez, c'est pour ça que j'utilise pas le mot bon sens. C'est parce qu'en fait, il y a des choses que tu peux entendre au travers d'une conversation, et puis au final, ben ça peut t'amener à d'autres réflexions qui vont te permettre de délier la langue et de discuter avec des gens. Et puis, du coup, les choses se passent bien. Je vais prendre un exemple qui vienne de moi pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Attendez. Alors, l'exemple qui vient de moi, c'est pas compliqué. C'est en plus, on est dans le mot de la fierté, c'est un peu dans le ton, hein, voilà, thématique. Il y a qui le forcing. Bref. Du coup, ben, par exemple, je prends l'exemple de mes joueurs, qui, en fait, j'avais construit un personnage pour mon premier Unifa, j'avais décidé de faire un personnage, et puis je dis, ah, ce personnage-là, j'ai envie de faire un personnage, et puis, en fait, ce personnage féminin, une lesbienne, ils m'ont dit non. Et j'ai dit, pourquoi? Ils m'ont dit non. Par la suite, il y avait beaucoup d'atomes crochus dans un autre univers pour Pathfinder. J'avais décidé de faire, pas décidé de faire, pas de décider de faire un autre personnage qui ressemblait pas du tout à l'autre, voilà. Et puis qui était en fait hétéro, mais qui a déjà eu une expérience homosexuelle ou ce genre de choses-là. Et il n'y a jamais eu de problème. Parce que, en fait, est-ce que c'est un tabou en tant que tel? Parce qu'il faut aussi donner les noms et aussi il faut éviter les stigmatisations. C'est un truc que je dis assez souvent. Parce que tout le monde a un mot stigmatisant envers une communauté, tel truc, tel truc. Et je dis qu'il faut faire très très attention à ça. J'en rajoute une couche encore. Ben voilà. Donc du coup, je sais pas pourquoi, mais il ne voulait pas. Et puis du coup, ben. J'ai fait le deuxième personnage, bon, c'était pas voyant du tout que ça allait, c'était dans le rythme, dans l'histoire du personnage, ça n'a pas gêné. Et puis ensuite est venu Blue Rose sur le tapis, où tu as des personnages qui peuvent être LGBTQ+, tout ça, et qui par exemple, t'as les Vata qui, il y a un truc dans l'univers qui s'appelle la danse éternelle. Ou par exemple, tu vois ça a même été le moteur du tout premier épisode, du tout premier scénario que j'ai fait. Ben, le personnage, c'était un personnage masculin qui se sentait femme. La danse éternelle par la magie, les arcanes, comme on appelle dans Blue Rose, l'a transformé en personnage féminin. Et en fait, le truc, c'est que pour faire Blue Rose est un univers que j'ai très bien vendu à mes joueurs parce que je trouvais ça génial, mais ensuite est venu le truc du c'est pour ça qu'on te parle de tolérance et pas d'acceptation. Faut pas forcer les choses et il y a des gens pour des principes ou des idées vont venir bloquer. Peut-être que les mentalités vont changer parce que qui dit les mentalités qui changent veut dire que les gens vont accepter de plus en plus de personnes différentes et donc du coup vont pouvoir en fait vivre plus confortablement, parce que ça, c'est un truc qui est aussi assez débattu chaque année, où tu as des gens qui te disent, ouais, mais je suis une personne qui est trans, qui est ceci. Et puis, il te dit, ouais, mais je ne peux pas jouer ça, parce que j'ai peur de la réaction des autres. Et il y a des gens qui réagissent très très bien, qui disent, attends, mais pourquoi toi, tu penses que tu ne devrais pas jouer ce que tu veux? C'est ma façon de voir les choses. T'as envie de jouer un personnage où, en fait, faut pas que ce soit superficiel, ou faut pas que ce soit un truc comme. Pour le quota, ça c'est valable dans les jeux vidéo, les trucs comme ça. J'avais déjà montré voilà, ce que j'appelais l'équation du démon d'Overwatch, voilà, pour la création des personnages. Mais en vrai, voilà. Donc si le truc il est bien fait, le personnage est bien travaillé, et même que la personne soit ou pas de cette orientation sexuelle, si c'est bien fait, je dis toujours ça, et ça va être le moteur des séries de vidéos que je vais faire. Pour le mois de juillet sans doute, c'est que si tu sais bien interpréter le personnage, qu'il n'est pas caricatural, qu'il n'est pas insultant, tu peux très bien le faire. Et donc du coup, avec Blue Rose par exemple, ben il y a aussi la notion des Vata
qui sont considérés comme les deux genres en même temps, mais biologiquement, les gens ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils allaient voir, Ensuite, il y a la manière dont c'est intégré et c'était pas forcé. Pourtant, pour le premier cas, ce n'était pas forcé. C'est juste que leur opinion, ils ont été braqués par rapport aux opinions et ce qu'ils avaient en fait. Et ensuite, à la fin, j'ai expliqué, oui, mais Blue Rose, j'ai montré une image, je vais vous la montrer. Le mieux, c'est que je leur ai montré cette image-là. Je leur ai dit, dans Blue Rose, il y a un amour assez libre, et il y a même des choses comme la bigamie. Même si c'est pas trop mis en avant, il y a des peuples qui sont polyamoureux, ce genre de choses-là. Moi, j'ai mis une opinion là-dessus, elle n'est pas positive. Si jamais je me mets à expliquer pourquoi, vous allez me voir parler de manière tellement mielleuse, vous allez dire oh non, mais il y a un problème. Mais voilà. Mais c'est possible. Et du coup, j'ai montré cette image-là à mes joueurs et je leur ai dit bon, les gars, vous avez compris que c'est un univers où le romantisme et l'amour, en fait, ça peut même être bien résumé par ce qu'a dit Raiden à Kunjin dans Mortal Kombat 10, où en fait. Kunjin n'a pas voulu dire explicitement bon, qu'il était homosexuel et il a dit que oui, mais on ne m'acceptera pas. Et puis Raiden lui a dit on va t'accepter pour ce que tu as dans le cœur et non pas pour ce que ton cœur désire. Voilà, il n'y a pas mieux pour résumer le truc. Donc du coup, je lui ai présenté ça. Puis ensuite, j'ai montré le mème du docteur qui est en train de regarder la fille. Ah, alors, c'est qui est d'accord, c'est qui est pas d'accord. Et puis du coup, c'est passé. Donc, en fait, ce que j'essaie de vous montrer par cet exemple, c'est qu'il y a eu un processus. Les gens ont évolué dans leur mentalité. Et quand je dis évoluer, attention. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Les gens ont des idéologies, ont des idées, ont des réflexions. Ils ont des raisons de penser ce qu'ils pensent. Quand je dis qu'ils ont évolué, ça veut dire que leur point de vue a changé. Pas dans le sens de mes intérêts ou dans le sens des intérêts de ce que je faisais. Mais ça veut dire la vie a suivi son cours. Et comme c'était des gens qui réfléchissaient beaucoup autour de la sensibilité, leur propre sensibilité, certains se sont même éveillés à certaines activités, certaines choses. Voilà, je ne donne pas le nom. du coup, ben, les choses, là, les trucs ont suivi leur cours. Et puis ensuite, ils ont vu leurs amis. Il y a eu une pluralité dans les interactions avec les gens avec lesquels ils agissaient. Moi, j'étais déjà tolérant vis-à-vis de ces choses-là, tout simplement parce que j'ai fait un rêve un peu chelou et puis du coup, ça m'a convaincu. Voilà. La plupart des choses déterminantes que j'apprends, c'est par mes rêves. Voilà. Je ne vais pas parler de chamanisme ou de trucs comme ça, on va être là pour demain matin. Mais en tout cas, voilà. Quand finalement, je pourrais résumer ça à un truc. Si jamais tu considères que des gens qui sont trop différents de toi sont des monstres, ben peut-être que toi, tu es un démon pour les autres parce que tu veux empêcher les gens de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient acceptés et pour qu'ils s'acceptent comme ils sont. À force de vouloir traiter tout le monde de monstres ou de les déshumaniser, tu finis par devenir un démon pour les autres. Et c'est une voile très très forte. Et du coup, par exemple, des gens disent « Oui, mais moi, je suis devenu plus tolérant parce que je suis arrivé dans le milieu artistique et j'ai vu des choses différentes. » C'est un gros cliché. Mais c'est un cliché, c'est même plus un cliché. C'est pas un cliché, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, qui suivent des sexualités différentes ou même qui se cherchent. Et puis, comme on est dans le milieu artistique, les gens ne sont pas jugés, donc... ils interagissent avec des gens, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Voilà. Alors, ça n'a pas été mon cas, hein, je rappelle, en mode, je suis hétéro. Mais par contre, il y a eu beaucoup de cœurs brisés et de désillusions. Ah, j'ai envie de mourir. Bref, et du coup, ce que je veux dire au travers de tout ça, c'est que vous voyez toute cette spontanéité, toute cette force, tout ce parcours, en discutant avec les gens, pas seulement autour du jeu de rôle, mais en général, mais que du coup tu arrives à comprendre mieux les autres, individuellement parlant, et pas en tant que groupe, pas en tant que collectivité, et du coup, c'est spontané. Est-ce que ce document ne va pas tuer dans l'œuf quelque chose qui aurait peut-être
dû être plus. Ce vers quoi l'humanité devrait tendre un peu, en fait, vers de la sensibilité. C'est pas un gros mot, c'est pas dévirilisant, tout en sachant que le virilisme, je m'en bats les couilles. Je pense que tu peux avoir l'aspect que tu veux. Si la personne, bon, elle fait du Krav Maga et qu'elle est assez balèze, bon, je pense que ton réflexe, parce que souvent les Antillais sont dans la ouais, t'es pas gay, en fait t'es gay, ouais, mais ouais, les gars sont pas musclés, ils sont féminés. Bon, mais par contre, quand il y a quelqu'un qui est gay et puis bon, il est pas efféminé du tout, bon, tu vas pas trop parler devant lui parce que tu vas te faire casser, tu vas te faire casser la gueule, voilà. Et puis en plus, c'est une autre mentalité, aussi avouer, mais c'est une autre mentalité aussi. Je rappelle qu'aux Antilles, c'est pas une critique contre les Antilles. Si, c'est quand même un truc assez chaud quand tu n'es pas entier, quand tu entends ce genre d'histoire-là, mais je pense que ça doit arriver en Afrique aussi. Je crois que j'ai eu des erreurs, des échos de ça. Mais par exemple, il y a le fait que bon, la personne fait son coming out, et puis en fait, tu entends des histoires du genre le mec, il a un sourire, mais c'est un sourire de nervosité, où en fait, tu vois, le père ou le grand-père, ils sortent des coups de plat pour courir derrière le mec, ou lui dire on te répudie, ils prennent leurs affaires, ils le balancent par la fenêtre, et puis vas-y, démerde-toi, on veut plus te voir. Ça arrive, c'est arrivé, et les mentalités ne changent pas facilement, donc ça arrivera. Donc, je pense que l'humanité a un gros problème au niveau de la mise en contact de la sensibilité, et en fait, c'est sur toujours deux pôles très extrêmes. L'humanité est devenue une espèce qui, socialement, est dans l'ère moderne clivante. Il y a des gens ultra sensibles qui explosent et qui se comportent des fois comme des monstres ou des trous du cul parce qu'ils ont été offensés. Et de l'autre côté, tu as des gens qui sont hermétiques d'esprit et qui décident d'être inflexibles et qui n'en lâchera pas une. Et donc, moi, quand j'ai vu ce truc-là, je trouve que c'est un bon travail. C'est un bon travail. Et je ne vais pas te dire objectivement, subjectivement. Cet outil est un bon outil, mais je me pose toujours la question de est-ce que ça ne va pas tuer la spontanéité vers laquelle les gens vont tendre. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai parlé pendant plusieurs minutes du sujet et je peux pas aller plus loin parce qu'en fait je parle de jeu de rôle et je ne suis pas là pour faire ni du développement personnel, ni pour faire la morale, ni pour faire des invectives, ni pour mettre les gens à charge en fait. Le but, c'est vraiment d'essayer de parler autour du jeu de rôle. Et parler de ce truc-là, je pense que c'est un très très bon outil. Finalement, il n'y a pas de conclusion à cette vidéo. Finalement, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Je me dis juste que ça va nuire à la spontanéité. Après, on peut revenir, si vous voulez, on peut revenir une dernière fois parce que j'ai utilisé l'exemple des Scandinaves, du formulaire de consentement par rapport au sexuel et tout ça, et les gens vont dire oui, mais ce formulaire-là, il a été créé pour une raison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a des histoires ultra passionnelles qui naissent et qui sont nées en dehors de ce formulaire de consentement. Je pense que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas que quand c'est. Donc, encore une fois, l'outil est bon. C'est toujours les gens qui peuvent potentiellement être derrière qui peuvent poser problème. Mais après, si tout le monde autour d'une table, quand tu leur présentes ça, il y en a qui vont rejeter. Je souhaite que les gens, surtout si on n'est pas en convention, pas en assos, mais poser ça pour ses amis, je pense que ça peut être extrêmement maladroit ou mal perçu. D'où le fait que finalement, c'est Julien Dutheil qui parlait souvent de ça quand il parlait de conseils, il disait. Il faut parler avec les gens. Et c'est pour ça que je pense que je gravite autour de cette simple question, la spontanéité de la communication entre les joueurs, surtout si maintenant on est derrière un écran, parce qu'on n'a pas le choix à cause des modèles récents, ben je pense très clairement que ça peut être quelque chose d'envisageable, d'envisageable. Bien, envisageable. Bien, ben je crois que c'est tout ce que j'ai. Vidéo qui a été beaucoup plus à une observation personnelle de quelques réflexions lancées ça et là. Je n'ai lancé aucune conclusion, vous l'avez vu. Sinon qu'il faut discuter. Donc du coup,
en commentaire si vous avez des choses à dire. Allez-y, si vous voulez faire des vidéos réponses, faites les vidéos réponses et envoyez-moi les liens. Voilà, comme ça, ça va me permettre de découvrir des gens, s'il y a des gens qui ont une chaîne. Et puis, en fait, voilà. Hein, la pluralité d'opinions est une bonne chose. Et dans ce monde où l'occidentalisation, du point de vue humain, a commencé à devenir très clivant, et quand tu ne penses pas comme les autres, t'es contre les autres, hein, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi, c'est vraiment une logique qui est toxique. Mais je pense, comme certaines personnes ont dit, comme par exemple Greta Tabibian de la chaîne Je suis pas content, il avait dit dans un live que les gens, en fait, ils se disputent, ils se foutent sur la gueule. Et bien, à un moment, les gens vont tellement se foutre sur la gueule que des gens sensés, vont finir, malgré la pluralité d'opinion et les oppositions, vont recommencer à discuter. Et c'est ce que je souhaite, revenir à la table pour pouvoir discuter ou des tours de barbecue, ou des tours de café. Voilà. Je ne pensais pas que j'aurais donné une conclusion ouverte aussi positive. Je vous dis à la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler de la grille d'évaluation du meneur de jeu pro. Très intéressant. À la prochaine fois. Salut à tous.